désormais donc à cette grande page sport aujourd'hui dans le journal, avec pour commencer du basket. Une victoire, c'est ce qui sépare désormais Poissy de la Nationale 2. Le PBA s'est rapproché un peu plus de la montée samedi soir en battant Marly dans le derby 89-68. Tout se jouera donc lors de la dernière journée face à Sceaux samedi prochain. Rémi Carayon, Mathilde Serra. Bien que privé de trois joueurs titulaires, l'US Marly Leroy en jaune n'est pas venu à Poissy pour faire de la figuration. Assuré de se maintenir en National 3, les Marlichois ont mené la vie dure à des Pissiaquais parfois en dilettante. Au grand dam de son entraîneur Alexandre Mekdoud. On a dû se croire que c'était facile. Voilà, c'est une équipe qui croit souvent que ça va être facile. Et on est souvent dans la réaction. Sauf sur les grands événements où ça on a su mettre de l'intensité tout de suite. Mais contre les équipes qui étaient au milieu du tableau, on n'a jamais su bien le faire. Voilà, en tout cas c'est le dernier match de la saison. Contre une équipe du milieu de tableau, il ne nous reste qu'une équipe de haut de tableau et on sait qu'on devra donner une meilleure prestation que ce qu'on a fait ce soir. Mais malgré les 25 points de Matrou, Marly a finalement dû s'avouer vaincu face à la machine pissiaquaise, plus robuste et mieux armée. Emir Coco, 22 points. Sambé et Diakité, 14 unités chacun, sont les grands artisans de la victoire pissiaquaise samedi soir 89-68. Plutôt logique au vu de la tournure du match. On n'a pas à rougir, excusez-moi l'expression, de la défaite, quoi. C'est une très grosse équipe qui a de bonnes individualités et qui joue collectivement. Donc c'était compliqué, on a tenu trois cartons, mais bon, c'est comme ça. Il faut juste qu'on profite de ce match, garder les bonnes choses, les choses positives, essayer de les reproduire pour le dernier match de l'année, quoi. Tout se jouera donc samedi prochain à 20h au gymnase Marcel Cerdan. Le PBA recevra Sceaux pour la finale de ce groupe. Le vainqueur s'assurera une place en National de la saison prochaine. Pour Marly, le championnat prendra fin du côté d'Ormes pour un dernier déplacement sans enjeu.